Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Europa Universalis 4. Donc on reprend notre partie avec les états papaux, non, avec la Suède, non, avec là, avec eux. Avec eux, on va reprendre un crédit. Non, on va prendre un prêt. Voilà, comme ça on aura 18 000 hommes, et là, après, hein, à plus de thunes, mais c'est pas grave. Ouais, j'ai pris un prêt, je sais, j'ai plus rien. J'en ai combien, là? 12 800 hommes. On va aller là-bas. L'avantage qu'on a pour l'instant, c'est que la guerre est chez eux. Là, nous, on est un petit peu tranquille, quoi. C'est un peu la merde, mais nous, on s'en fout, je dirais. On rassemble. Ah, merde. Non, toi, tu vas là-bas. Il va où, lui? À Bossao. On va se mettre à la capitale et lui en fait on va le mettre à Sanag. On va baisser un peu la vitesse parce que j'ai pas envie que l'autre il me la fasse à l'envers là. Non. Ouais, c'est bien ça, on expat. Ok, bien, on va là, ici. On laisse 3000 hommes. 1, 2. Ok, sur ça, on reprend 2000 hommes. Non, 3000 hommes même. Vite. On sait que cette armée-là, on l'envoie là. On prend ici. On envoie un là. L'autre, on envoie là. Et la grosse armée, on l'envoie à Garouv. On va à Garou avec lui. Lui, il va à Garou aussi. Oh putain de sa race maudite! On va aller là-bas. Là, tu t'arrêtes à Bossao et on va les défoncer les 5000 hommes. Ils sont pas isolés. Ah, il va m'épique défoncer cet enculé. Oh là là là, j'ai peur qu'on se fasse couper en deux. Lui, on va... lequel est le plus à même d'arriver à temps? C'est lui. On va lui filer le leader. Ensuite, on va... les sunnites, ils ont un peu, sont un peu vénères. À Chewa. Chewa, c'est où ça, Chewa? Là. Pourquoi ils sont pas contents? Intolérance. Les mecs, je suis pas en train de les convertir, qui sont déjà, qui se font déjà la gueule, quoi. Lassitude de guerre. Donc, on va claquer un peu de points là-dedans. C'est où? C'est là, je crois. Lassitude de guerre, on peut pas. On va augmenter la stab, alors, dans ce cas-là. Là, toute l'armée qui arrive. Séparatiste. On les fouette. Hop, non. Faut rester là. Ici. On prend moitié là, moitié là-bas. Voilà.
ce bordel? Ah mais t'arrives à Foun Cardo. Évite de se faire. Faut qu'on évite de se faire défoncer là, ce serait sacrément pas mal honnêtement. Ok. Ici ce qu'on va faire, la petite armée, on lui dit de fusionner, bah c'est déjà fait. La grosse armée on l'envoie là. On l'envoie là. Ah mais t'arrives à te le dire. Ok, on attend le deuxième général. Marianne, on va là-bas. Lui, on va lui refouler le général. Lui, on l'envoie là-bas aussi. Voilà, et après on va aller défoncer notre tête de bite là qui va Cardo. On rassemble et on va. Pourquoi je peux pas aller à Cardo? Ah, parce que je pense. On va attendre. On attend qu'il soit loqué, et quand il est loqué, on va lui défoncer la gueule. Dès qu'il aura pris la province, on pourra le défoncer. Je réfléchis là. Moitié là, moitié là. Voilà. On va donner le général à lui. Non, à l'autre. À lui. Général tout pourri, hein, soit dit en passant. Voilà. Voilà, bien. On rassemble, on va taper dessus. On va rester là. Il devrait prendre le Afoun avant que j'ai fini, donc je vais pouvoir aller lui taper dessus, je pense. La donne séparatiste, où ça? Degbor et Arer. Degbor, je vais augmenter ça, ouais. Arer, j'ai de l'augmenter, ça pue. Ça pue, ça pue. Est-ce que je peux mettre Thor Assad? Ouais, merde. Isro. Ah putain. Attends que lui soit loqué. On va le défoncer. Oh, c'est beau! L'autre, il a réussi à gagner la guerre, quoi. Non? Oui. Non, il a perdu la guerre. Adjuran, il est en guerre avec qui? Il est en guerre qu'avec moi. Attendez, là, j'ai zappé un truc, là. C'est quoi l'offre de paix? Maeran avec Warsangali. Ah, d'accord, il a fait une paix séparée. Il semble bien le piller. Ok, ce qu'on va faire avec l'autre Pécor, là, on va demander... Non. Oui. Bah.
Ah oui, Berbera. Pas toi dalle. Te dire. Pas dalle. Tanag. Pas dalle. Ouais. Et ouais. Ah oui, c'est fait épique défoncé quoi. Ça c'est qui? C'est Marianne. Celle de guerre. Oh, là ici. Adjouran. Quoi, Adjouran, ça te dirait une pub blanche? Qu'est-ce que tu veux? The fucking joke. Donc je pense qu'avec eux, on va aller se défoncer les autres là-bas. On va encore recruter 1, 2, voilà. Bien. La petite pause. On regarde vite fait un peu la situation. Lascoreille, Adèle l'a mis encore, et ça, Adèle l'a permis. Ok, maintenant. Lascoreille, tu prends ça? Ouais. Et Verder, tu me le donnerais? Ouais. Et Garo, oh ben, tu me le donnerais aussi. Je suis bien, ça. Et... Les Bossao donné à Adal. Non? Alors, tu me donnerais des rations de guerre, des thunes. Ah! On va à travers là. 10. J'enlève les réparations de guerre. Tu me donnerais toutes tes thunes? 66. Je prends. Y a un tout petit peu des rebelles à gérer. Et à ce moment-là, eux, on s'en fout. Alors là, je préfère pas regarder les scores. J'ai eu 34 000 à 35 000. Enculé de Aldaï, il a rien fait. Et j'en ai. Waouh, l'attrition, il a rien bouffé en attrition. Moi, j'en ai bouffé de l'attrition. Ok. On va repayer un prêt. Oh putain, 5,85. Ouais, je vais arriver à temps. Vite, vite, vite. J'arrive là-bas quand? 22 février. C'est trop long. Est-ce que la bataille va être finie? Ah putain. Oh, c'est bon, je suis à 1. Ok, à partir de là, on fusionne, on rassemble ça, on va baisser la maintenance de l'armée à peau de chagrin, quoi, en fait, à peu de choses près. Ah ben oui, ben même comme ça fait trop cher.
On va prendre une, deux, trois, quatre. Pas sand. Et on devient positif. Honnêtement, si vous voulez mon avis, en toute honnêteté honnêteuse, je pense que cette guerre ne t'a pas été rentable pour nous. Estate, non, révolte risque. 60%, 70%, oh putain. Les sunnites. À Chewa, ben tant qu'à faire, honnêtement, je vous dirais, on va aller se mettre à Chewa. L'effort. Arrière. À Chewa, on va commencer à convertir. Et à Arrère, on va couper l'entretien. Où est-ce que ça peut popper? Ah, Kaffa. Kaffa, il popper où? Sidano Wedalita. On garde le fort. Ajo Asosa. Ben, eux, ça va disparaître. Et Damot Adia. Ouais. Très bien comme ça. Hop, hop, hop. C'est quoi ça? Ça, c'est de là du coring. Ok. On passe en vitesse 5. Est-ce que j'ai... Oh, j'ai pensé à mettre le timer. C'est toute beauté. Et le bordel. Honnêtement, je vous jure, je me chie dessus, là. Je me chie dessus. Quand je pose à l'autre pécor d'Adal qui a rien fait pour m'aider. Est-ce qu'il a encore... Ah, il a encore du Liberty Dealer. Ouais, 62, mais ça va venir. Quelle est ma mission, déjà? J'en ai pas. Incorporer Protect Against Adjuran. Ouais. Pas faux. 15%. 3 quarts de ma force limite, c'est quoi? 48, ça fait 12. Bon, on va plutôt... Adjuran, je pense... On va regarder les forces limites. Adjuran. Force limite, 10. Ouais, on va plutôt prendre cette mission-là. Quoique, ça fait quoi? Ouais. Plutôt faire ça. Sachant honnêtement les gens, vu comme c'est la merde, vu les thunes, vu les crédits qu'on a, oulalalala. Allez, où c'est que ça risque de surbeller? Les îlots sunnites. On se tira dessus à 90%. La conversion, elle dit quoi? 23%. La stabilité, on est à plus 3, heureusement. La lassitude de guerre. On va baisser. Voilà. Fait chuter la lassitude de guerre. Ah ouais, parce que là. J'ai boîte matinale, j'ai mal. Les îlots, ouais. Les marianes, ouais. Ah! Ouais, ouais, tu m'étonnes. On va tout petit peu augmenter ça. Et ça. Voilà. On va les faire détendre. Eux, ils disparaissent. Les paysans, ils encore, mais plus beaucoup. La mode. Donc là, c'est les cafas à Sidano et des Villeta. On enlève le fort. On va faire des économies. Bon, ben voilà, ce sera passé quand même correctement. Le corps construction va nous bien nous dépanner au niveau de... Des révoltes risques à cause de l'overextension qui en découle. Moins 3,84, ouais, voilà, ça va disparaître. Ah, putain, je revis. Ah, d'accord. On a les rebelles chez l'autre. Ah, d'accord, ouais, non, ok. Wigan Corps Province, Adam, voilà. Moins 4,19. Ah, putain, je revis. Les sunnites. Ouais, ouais, normal. Les nobles. Ouais, c'est bon. Les paysans éthiopiens. Bon, ils sont en train de disparaître aussi. Quasiment. Les séparatistes. Ouais. Ah, punaise. Ah, voilà. Bon, bah, c'est une bonne chose de faite. Hep, 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 une bonne chose de faite. Comme dirait les barbes à papa. Je sais, je vous l'ai déjà dit 40 fois, mais j'ai une putain de culture cinéma. Enfin. Télévisuel, quand vous serez grand, vous ferez des gosses et vous verrez, c'est pareil pour tout le monde. École diplomate, Adalta. Ah putain, Adal a toujours envie de me péter la gueule. Pourquoi, espèce d'enculé?
Non. Ok, bon, bah sur ce, ça fait ting ding, on verra ça plus tard. On va s'arrêter là. Donc voilà, moi je vous dis bye bye et donc à demain pour la suite de la série. Allez, ciao les gens!